Il n'y a aucun homme qui enlèvera la colère de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Dieu était dans toi et moi, il nous avait temps, enfant de se repentir, pour abandonner ma mauvaise voie dans l'abisso, pour abandonner les mauvaises voies, et tout en allant ensemble, enfant de suivre la voie de Dieu. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Et après ça qui m'a aimé. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit tout. Il a dit tout. À ce qu'il m'a croire. À quoi il et quelle vie? Et bon une vie éternelle. Et bon moi, quoi, libella. Alléluia. Après cette vie, et notre vie c'est la cabine. Et dans la vie, nous sommes la cabine. Nous sommes vieillis, nous étions d'abord des enfants. C'est-à-dire que nous montons, nous allons vers ces voyages. Ces corps vont retourner en poussière. L'Esprit Dieu va récupérer son esprit. Et ton âme sera où? Et ton âme sera où? Et maman, tu vois, ah ouais, et qu'elle a dit de repos ou bien, et qu'elle a dit de tourment. Mais que sont aux véritables chrétiens, il faut se poser la colonos après ma mort. C'est ça la question qu'un véritable chrétien doit se demander après ma mort. Parce que là où nous sommes, chacun de nous a son jour de mort. De même que tu étais né il y avait un jour, de même que tu mourras dans certains jours. Et nous continuons sur notre thème. Ça c'est une prophétie. Dieu parle à une personne, mais donc à toi et moi, il nous dit de se repentir, d'abandonner le mauvais chemin, d'arrêter les mauvais chemins. Parce que ça ne payera rien, on ne serait jamais payé. Demain, nous allons mourir. Et moi qui te prêche, je vais mourir. Le jour de ma mort vient. La mort n'est pas seulement pour le péché, mais la mort c'est pour tout le monde. C'est l'un des paroles de Dieu. C'est quand on va retourner en poussière là où ça vient. Et nous continuons sur notre enseignement sur la restauration progressive. La restauration progressive. Et pour lui, c'est l'action de l'action pour restaurer. Restaurer d'aller pour rétablir à son état ancien ou à sa forme première. C'est-à-dire qu'aux hommes, c'est pour rétablir le corps, c'est-à-dire qu'il a été à ma lame. Donc on a dit que. En fait, on va en réalité, mon tabou est malade. Mais la fille n'est pas la comme ça, elle m'a dit. Tout le monde va dire mon qui m'a dit. En tout cas, mon qui m'a dit ma belle, en réalité, le monde est mort, il m'a dit. Ou bien, il va dire ma belle. Il est mon qui va dans mon pour ceux qui vont dans mon cabon, pour les réponses. Ceux qui ont créé ma camouflée, ma belle, mon qui m'a dit. Amen. On ne va pas tout ça, mon qui m'a dit malade, on a dit qu'on y a tout. Pour nous, c'est plus en haut. Mais nous tournons à rendre mon guillet comme ma paix, à rendre l'environnement et comme ma paix, tout pour lui en haut, tout pour lui en haut, tout pour lui en haut. Mais on va dire que l'homme a dit résultat. À la résultat, il y a ma cambo à ça. Là, la pasteur terre, il a dit que. Mais je dis que l'homme est le résultat des choses qu'il est en train de faire. C'est évident. Si on continue la Bible, parce que si nous allons dans la Bible, alors Dieu sait que l'homme aura semé, il est moissonnera. C'est-à-dire qu'on a les résultats, ma cambo, c'est la qualité jour au jour. Si tu bois beaucoup, alcool ou ana. Un jour, et pour ça, la cancer dans notre maillot. C'est le résultat des choses que tu fais. Si tu ne bois pas un jour, c'est là que tu auras la maladie. Et le résultat, on ne le verra pas chez ton fils. Mais ce résultat sera fait par toi. Alléluia. Tu fais des mauvaises choses. Tu es né, tu fais du mal. Tu grandis dans le mal. Et tu es basé sur le mal. Tu t'es marié dans le mal. Tu as eu des enfants dans le mal. Tu as vu le petit-fils, petite-fille dans le mal. Avant ta mort. La suite est loin. Il y aura les résultats de tout cela. La Bible nous dit ceci. L'homme méchant ne dit qu'elle n'a jamais impuni. La Bible nous dit que l'homme méchant ne restera jamais impuni. Avant de quitter sur cette terre. Restauration progressive. Restauration, c'est-à-dire action pour restaurer, pour établir et l'eau comme mon état d'ango ancien, la forme d'ango première. Dès que vous avez qui malam, dès que vous avez qui malam, à cela qui top. Dieu nous a bien créé. Naturel. On était naturel. Simbi. Et lorsque nous avons beaucoup touché, et depuis Bissou, et ça nous a détruit. Et lorsque nous avons beaucoup bu, et ça donnait ce que nous avons fait. Ici, on vient remettre quelque chose qui était dans son état initial. C'était bien dans son état initial. Mais.
à cause de l'environnement. Mais à cause de l'environnement. Soit à partout. Ou soit à cause de l'environnement. Déformé. Cette chose est déformée. Et baby. Si maintenant, si on veut la restaurer, avant de la restaurer, on doit la remettre dans sa forme initiale. C'est comme l'âme de Dieu lorsque ça vient, l'âme de l'homme, c'est pire. Je pense qu'on a déjà parlé sur les zodiacs. Dans le troisième mois, lorsque la femme est enceinte, nous sommes là. Ici c'est comme des cieux et Dieu au-dessus. Lorsque moi ça combine et lorsque la femme est enceinte, nous le mettons comme si c'est un serpent et il y a sa tête. Et lorsque moi ça combine et lorsque la femme est devenue enceinte, la première mois, dans le premier mois. Et l'autre, il n'y a rien, il y a tout mes mots, tout à fait. L'homme, il y a l'œuf. Dans le deuxième mois, c'est l'œuf, mais on ne sait pas. C'est le troisième mois. Mais c'est dans le troisième mois. C'est là, à Dieu, c'est là qu'il envoie l'âme de l'homme. Dans toutes ses entrées, dans toutes les entrées, oui, ça là, pas moins. Dans toutes les entrées, lorsque l'âme va venir, on fait comme si ça va tourner, et lorsque ça tourne, si ça prend la direction de cette porte, chacune des portes a des cachets. Et c'est caché par le caractère de l'homme qui sera dans la guerre. Et dans le troisième mois, c'est l'âme qui est par là que l'âme vient. Chacune des portes a des caractères. Voilà pourquoi chacun de nous a ses caractères. Voilà pourquoi dans le troisième mois, c'est par là que l'œuvre même dans les hôpitaux, la grossesse c'est impossible. Si vous vous posez la question, si tu le vois, dis-moi, deux mois, tu te péchetais. Hein, tu péchetais. Tu le vois, il y a un mois, tu péchetais. Il y a une semaine, tu péchetais. Eh bien, infirmière. Nous, l'infirmière, tu péchetais. Hein. Tu péchetais. Pour le babou, pas de l'infirmière. Nous, nous sommes sur la commande. Tu péchetais. Hein. Pour amener les profiter. Hein. Parce qu'il n'y a pas encore là. Comité. Nous n'avons pas tué quelqu'un. Non, tu péchais. Non, nous avons péché. Parce que tu as arrêté le processus ensemble. Parce que nous avions arrêté le processus pour Dieu. Dieu, il veut faire quelque chose. Mais toi, tu viens l'arrêter. C'est-à-dire, on perd aussi une loi. C'est-à-dire, tu as arrêté la loi. C'est quoi le péché? Lorsque la personne est marchée hors la loi, c'est par là qu'on appelle la personne le péché. Et donc, on a éteint la loi initiale. Et donc, il y a qui malade, la forme, la loi qui tombe. Donc, on veut remettre quelque chose à son état initial tel qu'elle était avant. Mais bon, et bébé. Et celle qui est malade. Lorsque l'homme au-dessus, il est trop bien. Mais quand on a porté la porte, mais lorsqu'il entrera par une vie de il aura des caractères. En suivant le caractère, le sang de père et mère. Et si l'homme était sorcier ou sorcière, cet enfant aura du sang sorcier. Si l'un des était fétichière ou autre magicien, cet enfant aura aussi ce genre de séances. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'un enfant ne connaît pas les péchés. Il est né dans le sang. Alléluia. Quand on te dit pourquoi là, lorsque l'enfant grandit, si vous trouvez qu'on a besoin de sa moutou, la forme. Et maintenant, on veut remettre l'homme à sa forme. Et pour ça qu'il est Ézéchiel 37. Et on a le livre d'Ézéchiel. Et Dieu avait ramené. Ézéchiel. Il avait ramené Ézéchiel. La vallée à Mikou, à Pokaou. Dans la vallée des hommes desséchés. Pour prophétiser. Pour qu'il prophétise. Et dans l'histoire de la Bango. Et dans leur conversation. Lorsque Dieu l'apporta. Il lui a montré beaucoup de choses. C'était impossible de savoir si c'est l'homme de qui. Peut-être qu'on t'a enterré ici, mais il y a les pieds déjà qui est à côté à Corbeil.
Et la crainte s'est abîmée. Parce qu'il y avait plein des os. Mais lorsque Dieu a ramené Ézéchiel, il avait demandé si ces os qui étaient desséchés, ça pourrait encore revivre. Ça veut dire lorsque l'homme est mort, on dit qu'il est fini. Parce que la mort, c'est la cessation de vie. C'est la fin de toute chose, c'est la fin. C'est la mort. Alléluia. Lorsque nous disons un bon un chien vivant qui est mort, c'est parce que la personne qui est mort, il peut encore espérer à quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire la chose qui n'a pas marché, il peut faire encore des efforts. Mais celle qui est morte, celle qui est morte, même s'il était belle, même s'il était fort, mais pour lui c'est la fin. Mais cet homme, en la ramenant dans ses vallées, les os, qu'est-ce qu'on peut retirer dans l'os? Dans l'os, c'est impossible de reconnaître les os de l'os. Mais cet homme, en connaissant Dieu, alors qu'il nous a envoyé, tu le sais, parce que toi, tu es le Dieu, c'est toi qui es le possibilité pas là. Parce que l'impossibilité en toi n'existait pas. Alléluia. Même dans la vision, cet homme, il reconnaîtrait que tout dépend de Dieu. Il a dit, Dieu, toi tu sais. Après, nous avions vu. La foi, c'est quoi? La définition. Qu'on dit mes amis. Là, c'est ma définition. La foi, c'est une reconnaissance. Qu'on dit mes amis pour reconnaître. Pour reconnaître que nous sommes à de reconnaître qui est Dieu. Et il fait tout. Et à coquine à Nyonso. Premièrement, il a tout. Premièrement, Azan à Nyonso. Il fait tout. Et à coquine à Nyonso. Il n'y a rien que Dieu puisse se fatiguer. Je pensais que tu allais dire Amen. Il n'y a aucune chose, C'est dont Dieu doit se fatiguer. Et que dans cette chose, Dieu n'a plus de la force. Alléluia. Et il y a des problèmes où même le pasteur va se la ramener. Il y a des problèmes où les pasteurs ont des limites. Mais Dieu, il n'y a aucune chose que Dieu ne s'est fatigué à cela. Alléluia. Même si quelqu'un est mort, tu reconnais que l'impossibilité. Si tu reconnais qu'il y a l'impossibilité, tu reconnais que c'est Jésus qui est la vie. Si tu reconnais qu'il y a Jésus dans la vie, celui qui a cru en moi, alors lui en dit, mais il est, même s'il meurt, même s'il a coupé, mais il vit. À Bouzan, à Bomoy. Pourquoi? Pour l'anime. Parce que moi, Jésus, parce que Jésus, je suis la vie. À Zabomoy. Parce qu'il est en toi, il a cru en moi, et même s'il a coupé, il est toujours en vie. Il est la vie de l'aimé. À Zabomoy. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme avait dit, Seigneur, toi tu le sais. Et tant que toi tu es Dieu, toi tu le sais. Tu sais que ces os, même si c'est déchiré, ça pourrait encore revivre. Et vu qu'il avait reconnu qui est Dieu, que Dieu l'avait dit de prophétiser sur ses os. Cette histoire, c'était par rapport à Israël. Il est passé par des moments qui étaient difficiles. Des moments très difficiles. Dans la sécheresse. La souffrance. Dans la souffrance. Il était devenu désespéré. Il y a des gens parmi nous malgré qu'ils Mais ils sont désespérés. Ils ont prié à Dieu comme si c'était un slogan. Alléluia, Amen. Lorsque nous disons Alléluia, tu dis Amen. Alléluia, Amen. Lorsque nous disons Alléluia, tu dis Amen. Amen, Amen, cela veut dire quoi? Vous qui priez. Mais toi tu acceptes que cela soit ainsi, mais lorsque tu viens de voir le problème, tu deviens quelqu'un qui pleure et l'homme qui pleure. Amen. Tu diras Amen parce que c'est là, tu sais que Dieu a dit, ça doit être ainsi. Car Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. À cause de jamais. S'il promet, il réalise. S'il promet, il les réalise. Alléluia. Nous parlons bien sûr de la restauration progressive. Nous parlons sur la restauration progressive. Ce qui nous semble à la vie conseil là-haut du campo. Si Dieu te fait quelque chose, on doit la précéder. Ne sois pas pressé. Attends. C'est là le Kouana. Calmement. Dieu ne ment jamais. Sur tes mots. Quand la vie est lui de bas, la chose arrive, il ordonne, ça existe. Mais il le fait petit à petit, étape par étape. L'étape par étape. La dimanche précédent,
d'abord la possibilité de faire ma campagne sur les arbres. La nama, la neke, la soso, la tuna, la nana, la bala. Attends, que vous la méritez, attends, que la famille me sauve. Dis-moi que la mère pour moi, dans la mouvine, dans le caramel, dans la japonne. Au bima pour la nana, ma bana au sein, la bana au toit, la bana au thé. Et bima, il y a des gouana. Il avait cette possibilité de faire il fait des choses en son temps. Toi donc, ta vie est détruite. Moi donc, mes choses sont détruites. La délivrance de l'homme, ce processus. Si tu vas penser l'église en Belgique, dès qu'on a prié pour toi, tout s'est fini pour toi, les problèmes se sont autant rangés, là on t'a mangé. Même moi qui est devant vous, je suis toujours dans la processus de délivrance. Tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont déjà bien arrangées, mais il y en a d'autres qui n'est pas bien arrangé. Et comme j'écoute la parole de Dieu à chaque fois, et je répare l'un par l'une, nous sommes dans la processus de délivrance. Alléluia. Et Dieu a dit à cet homme de prophétiser. Parce que c'était sa famille qui avait un problème. Prophétise. Et de quoi l'obéit? Sur l'ordre de l'Éternel. Et cet homme a dit sur l'ordre de l'Éternel. Sur l'ordre de l'Éternel. Nous avons prophétisé. Un vrai enfant de Dieu. Il ne fait pas des choses parce que les hommes ont fait Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Il ne fait pas des choses. Parce que je ne sais pas, c'est là les gens vont parler. J'avais dit ainsi dit l'Éternel. Il y a ainsi dit les hommes. Il y a ainsi dit le diable. Il y a aussi ainsi dit les hommes. Il y a beaucoup de chrétiens sont basés sur l'ainsi dit les hommes. Alléluia. Or, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu marche en harmonie avec la parole de Dieu. Toute sa vie est en conformité dans l'ainsi dit l'Éternel. Demande-toi qu'est-ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de personnes là où nous sommes assises, beaucoup de personnes ne savent pas ce que Dieu les avait dit. Beaucoup de chrétiens sont des émotifs. Ils font des choses par lorsqu'il y a un problème, c'est là qu'il connaît. Et lorsqu'il montait, c'est là qu'il connaît. Dans la souffrance, c'est là qu'il connaît. Mais si Dieu a payé, je suis tout tupé. Et c'est par là qu'il va abandonner les chemins. Tout ce que nous voulons comme chrétien fidèle, à combien en Zambé? S'il a dit quelque chose, on verrait, il y a ces gens de chrétiens dans les étapes. Et cet homme, on l'a dit de prophétiser. Il a dit sur l'ordre de l'Éternel. Nous avons prophétisé. Et lorsqu'on a commencé à prophétiser, les os, souvent il y avait un bruit. Il y avait le bruit. Il y a d'autres personnes, ils ont arrêté les choses. Ils ont juste attendu la bénédiction. Ils l'ont abandonné le chemin de Dieu. Alléluia. Juste le bruit. Lorsque cet homme prophétisait, il y avait des bruits qui s'éveillaient. Et lorsque les bruits commençaient à s'éveiller, on a vu que les os commençaient à se rassembler. Les os s'approchèrent. Il y en a donc la bénédiction, ils n'ont pas encore entré dans la bénédiction. Mais ils ont juste attendu les cris. Ils ont juste vu, c'est comme si c'est la bénédiction. Alléluia. On a prophétisé la ordre. Et cet homme avait prophétisé l'ordre de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Toutes les choses que tu pourras faire dans ta vie. Est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Alléluia. Tu veux tuer? Est-ce que la parole de Dieu le dit? Est-ce que la parole de Dieu nous dit tu? Nous pas salions ma belle. Quelqu'un t'a fait du mal? Il m'a fait, il attend, je lui ferai. L'enfant de Dieu est dans les cachets qui prépare sa vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mon maître m'a dit ceci. Il rendit à personne le mal pour
pour le mal. Il n'y a personne de mal pour le mal. C'est mon maître. Ça, c'est mon maître qui l'a dit. Il ne t'a pas envoyé d'aller se venger aussi. Mais c'est lui qui va se venger pour toi. Et c'est aussi lui qui va payer pour à la personne qui t'a fait du mal. Alléluia. L'homme méchant, montez la mabelle, à côté qu'il n'a jamais impuni, ne restera jamais impuni. Il sera puni à cause de la puni. Parce que c'est ce qu'il a sémé. Alléluia. Mais yote. Mais ce n'est pas toi. D'ailleurs, mon maître m'a dit ceci. Alors, qui est si cet homme a faim, donne-lui à manger. Si la soif, ce cas-là n'a pas sa main, donne-lui à boire. Donc lui, quand le bien que je le fais, c'est ce qui sera le charbon sur sa tête. Alléluia. Un enfant de Dieu, on a un zambé, à combattre combat le mal par le bien. Alors il faut surmonter le mal par le bien. On a dit faut surmonter le mal par le bien. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Mais on a mal à mon thème. Mais toi et moi dans les cœurs, ni ton bambi, qu'est-ce que nous avons gardé? On dit vengeance de la capamoro. Alléluia. Tu seras confondu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu sera là devant toi, va s'opposer. Parce que l'enfant de Dieu marche en conformité avec la parole. La restauration progressive. Beaucoup de questions. Est-ce que Dieu attend ma prière? Est-ce que Dieu me voit réellement? Il te voit. Mais chaque chose a son temps. Mais le connaît son temps. Il fait les choses à son temps. J'ai bien dit, il avait le pouvoir de dire que toute chose est Dieu. Mais comme il est Dieu, il a pris 6 jours pour créer toute chose. Alléluia. Cet homme a dit, par ton ordre, Seigneur, je prophétise. Et dans la prophétisation, lorsqu'il avait prophétisé, les choses qui étaient mortes, c'est qu'il n'avait plus de sens. Et les os commençaient à se rapprocher. Ça commençait à se rapprocher. Et ça s'est rapproché. Et lorsque c'est rapproché, et ça commençait à se sembler. La restauration progressive, donc pour restaurer la vie de l'homme, il y a 3 étapes que nous avions dit. Première étape de la vie, la Bible a l'obéi, s'il dit une chose, il dit une mort, la chose arrive. A l'obéi, et l'homme nous croit. Lorsqu'il a dit une chose, cela arrive. Et c'est quand nous. Et lorsque cela est arrivé, ça va entrer dans ta vie. Déjà c'est arrivé, c'est tout près de toi. Tu descends souvent à l'église, moi je vous ai écouté, j'ai tout fait. Est-ce qu'on le voit directement? Non. Tout le monde, chacun de nous a son temps. Et dans quel lieu, dans quel circonstance. Donc Dieu va la visiter. Mais Dieu descend pour parler à tout le monde. Et oui, je suis descendu et je vous ai béni. Mais chacun de nous a son temps pour obtenir sa bénédiction. Mais lorsque Dieu a prononcé cette parole, cela est béni et parti dans la direction de chacun de nous. Et la première des choses, donc d'abord la chose est venue vers toi, la chose est dans et à la direction. Verset 7, il y a quel français en gros là. Et dans le 8e, et dans le 8e, on a dit qu'il y a eu de nerf. C'est-à-dire, et l'autre, quand on a dit qu'il y a eu de nerf, et juste la même bannière est commise, le corps bannière est commise, c'est-à-dire, est commis moins sensible. Donc, il y a quelque chose qui était desséché, il a eu quand même de nerf, il y a eu de nerf. Et nous avons prié pour certaines personnes. Je regarde une très belle femme. Mais il n'y a aucun homme qui l'aime. Il n'y a aucun homme qui l'aime. Devant juste un homme devant lui. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Mais ce qui est mon temps, si cet homme a cherché la face de Dieu, la première étape, c'est d'abord que c'est là que cela puisse venir. Et après, ça pourrait naître de nerf. On verra même quelqu'un qui est ivre, il viendra devant toi pour te draguer. Et toi, tu diras, ce n'est pas la malchance. Comme tu dis, ça ce n'est pas la malchance comme tu dis. Mais oui, c'est un signe. Je cherche un mal. Mais lui, c'est un sous-là. Ça, ce n'est pas une malédiction. Hier, on ne t'appelait pas, mais même le sous-là, on n'arrivait pas à t'appeler. Même un fou, on n'arrivait pas à t'appeler. Mais le nerf a commencé à croître.
Maintenant, on a dit qu'il y avait une chair. Mais ses os étaient déjà desséchés. Tout le monde l'a déjà oublié. Mais lorsque ça s'est arrêté, maintenant, il y avait la forme, même s'il ne bouge pas, on voyait la forme. Donc, c'est une femme qui est. Donc, on voit une personne qui marche. C'est vraiment une femme qui est debout. La dernière étape, c'était il faut maintenant la vie. Il décrit maintenant la vie. Et lorsque Dieu crée l'homme, il a formé l'homme par la poussière de la terre. Il a sorti la vapeur sur le soleil et sa fille la boue et il a donné la forme. Et comme il a statué, après c'était comme un statue, et puis il a soufflé, et c'est par là qu'il a eu la vue. Alléluia. Esprit en jambe, et c'est par là que l'Esprit de Dieu est entré dans la vie de l'homme. Et ça donne. Lorsque cet homme a prophétisé, là je t'ai dit, lorsque tu pries, Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Amen. Il faut, lorsque tu pries pour ta vie, toi-même tu crois que dans l'étape où je suis, je sais que mon Dieu, oui, je suis dans cette étape, mon Dieu, dans cette étape, dans la dimension où je suis, je sais que j'ai déjà confiance là, dans l'autre dimension, je sais que je suis encore là, et dans la dimension que nous sommes là, c'est juste que je dois vraiment me positionner dans cela. Alléluia. Et cet homme, dans la troisième étape, on a dit qu'il avait appelé il avait appelé les quatre vents dans les quatre extrémités. Pour les gens qui sont enseignés, ils le savent, c'est comme dans le monde, il y a quatre vents, et dans chaque extrémité il y a aussi des esprits, il y a des anges, et il y a des anges qui tiennent les quatre éléments. Toi aussi tu l'as, il y a l'un qui tient le vent, il y a l'autre qui tient les feux, il y a l'autre qui tient le vent, et il y a l'autre qui tient la terre. Donc tous ces quatre choses, ça existe aussi dans la vie de l'homme. Il y a le vent, il y a le fond, il y a les feux, il y a l'eau et il y a la terre. Ça, ses corps, c'est la terre. Ça retournera la terre. Et quand on a soufflé, il a soufflé. Et lorsqu'il a soufflé, tous les quatre vents. Et quand il a quatre, il a forme, il y a manzo tourana ce corps. Et entré dans le corps. Et manzo tourana. Et ses corps. La Bible a dit qu'il s'était debout. C'était debout. Et c'était devenu une grande armée. Il avait forme. Alléluia. Jusqu'on a l'étape minime. Et toi, maintenant, tu es dans quelle étape? Moi, l'étape minime. Tu es dans quelle étape? Parce qu'on a la première étape pour se vider. Parce que tu es juste dans la première étape, mais tu es fatigué. La première étape, mais la première étape. Il y a d'autres qui sont en première étape, mais juste dans les débuts du première étape. Voilà pourquoi on voit les enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'étais dans la maison, j'ai parlé. Beaucoup de personnes. Oui, les pasteurs guérissent les malades. Oui, les pasteurs guérissent. Oui, c'est vraiment la vérité. Alléluia. Parce qu'on dégage bien ce qu'on met là. Mais la manière dont nous le ramenons. Les pasteurs ont la baptise en nom de qui? Maintenant, les pasteurs ont guérissent en nom de qui? Ils ont un pouvoir qu'on appelle la pouvoir de délégation. L'homme veut que lorsqu'il a demandé et qu'il pousse la voix directement, si ils ont prié ici, ils n'ont pas eu, il dira que non, ce pasteur n'a pas de pouvoir. À Saint-Denis, il y a plein de églises. À Saint-Denis, il y a vraiment des gros pasteurs. Une personne a 9 pasteurs. Vous êtes vraiment dans la distraction. Tu es un enfant de Dieu. Mais cherche la face de Dieu. Cherche Dieu avec toute sincérité. Et c'est Dieu là-bas qui répond. Mais si tu cherches juste le pasteur de gauche à droite, tu vas échouer dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes abandonnent la foi. Le pasteur que tu avais mis la confiance. Tu l'as vu comme si c'était en Dieu. Et lorsqu'il a fait un scandale, toute ta foi s'est tombée. Mais la foi d'un enfant de Dieu, sa fondement, c'est la parole de Dieu. Et ça vient maloba nzambe. Il faut construire ta foi dans la parole de Dieu. Ne construis pas ta foi par la parole des hommes. Parce que le jour où cette personne va faire des bêtises, tu vas abandonner ta foi. Tu vas abandonner ta foi.
Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Parce que les choses sont détruites. Nous avons dit que nous avons trois étapes. Mais beaucoup de personnes. Et ils sont restés juste dans la première étape. Et c'est par là qu'ils sont découragés. Peut-être qu'ils sont vraiment allés à côté de la parole. Ils se sont dit que oui, ils ont une bonne vie. Ici, nous voulons partager. Préalable pour passer progressivement dans la restauration. Au préalable, Babylon, c'est lui qui est plutôt les gars. Malembe dans la restauration. Maintenant, le préalable que nous devons passer pour aller en restauration des hommes. Toi donc, on a détruit ta vie. Toi donc, ta famille, on l'a détruit. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Moïse, Dieu l'avait pas choisi pour lui seul. Moïse, Dieu l'avait choisi pour tout le peuple. C'est donc qu'il plairait de nuit et jour pour Dieu. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai attendu vos larmes. J'ai vu comment vous êtes oppressés. Mais maintenant, moi, Dieu, j'ai descendu. J'ai descendu pour vous délivrer. Dieu était descendu à travers l'homme. Dieu est esprit. Mais il a besoin d'un support pour faire. C'est pareil pour le diable. Le diable aussi, c'est un esprit. Il a aussi besoin d'un support pour faire quelque chose. Et maintenant, les supports du diable sont nombreux. C'est plus que même celle de Dieu. Alléluia. Préalable de la ligne. C'est quoi les préalables? Il faut avoir la vision de l'être. Pour toi, la continue la processus. La personne qui est dans la processus. La restauration. De la restauration. La délivrance. De la délivrance. Alors, dit Moukouana. On a dit cet homme. Il faut dans la vision d'être. Il doit avoir la vision d'être. Lorsque tu es pas en Zambie. Lorsque tu es venu voir Dieu. Oye, bosso en Zambie. Tu es venu devant Dieu. Il faut mon akamusika. Il faut voir très très loin. Mais ce qu'on a dit à mon akamusika. Mais si tu vois jusque là. Tu n'iras pas loin, tu vas t'arrêter en chemin. Mais là, il y a des éléments pour la restauration de l'homme. C'est d'abord toi qui cherches la délivrance pour ta vie. Il faut voir très loin. Là où je mets mes pieds, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Pourtant, il y a 1 Corinthiens 9. Un vrai enfant de Dieu voit plus loin. Beaucoup de personnes ont raté la bénédiction. Parce qu'ils voyaient ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup de personnes, leur vie sont détruites. Parce qu'ils voulaient juste des choses qui brillent. Surtout vous les femmes. Vous aimez ce qui brille fortement. Il a déjà dessiné son homme en barbe très beau. Et le diable est malin. Il dirait que oui. Il t'enverra aussi un homme grand costaud. Mais en son intérieur, qu'est-ce qui se trouve? Il est venu pour te détruire. Alléluia. Je ne suis pas contre les hommes, mais il est venu pour te détruire. Parce que les véritables escrocs savent bien parler. Ils sont propres. Ils savent bien influencer. Sans pouvoir de séduction. Ils ont des mots, ils ont vraiment des mots. Pour mon bébé. Donc toujours de belles paroles. Et lorsque tu attends cette parole, même s'il y avait du mal. Non, toi tu es ma maman. Toi tu es ces succès-là. Lorsque tu attends, toi ton cœur s'apaise. Toi tu dis mon grand. Alléluia. Mais ici, nous divorçons. Beaucoup de personnes sont fuites dans cette église pour le divorce. Ah, ici, on ne divorce pas. Deux ou trois, nous, ici, on ne divorce pas. Moi, je n'en vois pas les gens de divorcer. Parce que la Bible nous dit que c'est que Dieu a réuni. Qu'un homme puisse la séparer. Si j'ai dit cela, ce n'est pas pour que les gens se divorcent. Ici, cet évangile n'existe pas. Ce que tu as veillé, il faut l'apporter. Il faut l'apporter jusqu'à la fin. Si tu t'arrêtes de trouver mon chemin, tu rencontreras Dieu. Corinthiens 9, verset 5. Lui et non de Jésus de Nazareth.
N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères, du Seigneur et ses frères? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne, incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce